toutes et à tous et bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, mardi 29 août 2023, jour de lune 13 et 14. Aujourd'hui, la lune est en Capricorne, énergie du sang-froid, du conservatisme et du travail. Volonté de planifier des activités. La retenue et le sens pratique sont mis en avant. Nakshata Shravana, associé aux divinités suprêmes Vishnu et Saraswati. Il favorise l'union et le soutien mutuel. C'est le moment idéal pour vous lancer dans un achat, un nouveau projet, une pratique spirituelle, reprendre des études ou suivre un traitement médical. Évitez de prendre des risques et de conclure des démarches entreprises. Jour de lune 13, Shukla Trajodashi. En ce jour, des personnes et des actions de votre passé peuvent émerger et vous hanter. C'est l'occasion de revoir certains aspects de votre vie. Aujourd'hui, la communication et le temps passé en famille sont particulièrement favorables. Jour de lune 14, Shukla Chaturdashi. Cette journée est l'une des plus défavorables. Il est donc préférable de s'adonner à la méditation et au yoga ou au sport. Surveillez votre santé. Vous ne devriez pas voyager ou lancer quelque chose de nouveau. Demain, 15e jour de la lune, ce sera la pleine lune, donc le 30 août. Je vous mettrai un peu plus tard dans la journée les rituels à faire pour la pleine lune que je vous recommande de faire donc demain, puisque la pleine lune sera à son apogée le 31 à 2h du matin, donc la nuit du 30 au 31. Je conseille toujours de faire les rituels de pleine lune la veille de la pleine lune à 100%, puisque l'énergie est encore croissante. Après son apogée, elle sera décroissante et c'est moins intéressant. Mardi, Mars, décisivité, activité, énergie masculine, volonté, établissement de limites, aller de l'avant, couleur rouge, orange. Aujourd'hui, la coupe de cheveux est favorable. Se faire couper les cheveux un jour favorable les rendra plus sains, accélérera leur croissance et n'altérera pas le flux d'énergie dans le corps. Côté nutrition, évacuez les excès. Période de purification du corps. Prenez de préférence des repas légers et faciles à digérer. Vous pouvez accompagner le processus de purification en allant au sauna ou à Hanan, en buvant plus d'eau et de tisane. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Namasté.